Alors, après avoir vu les étapes de la mitose, donc qui est donc la division cellulaire qui est opérée dans toutes les cellules de votre corps pour pouvoir permettre aux cellules de se reproduire et donc la croissance du corps ou de se régénérer, on va trouver que il y a des cellules qui sont différentes dans notre corps, des cellules haploïdes et des cellules diploïdes. Alors, les cellules du corps, c'est ce qu'on appelle les cellules qui sont somatiques, parce que ça vient du grec ou du latin, je ne sais plus très bien, soma qui veut dire corps. Elles sont produites donc tout au long de la vie, sauf pour certaines cellules. On a vu que les neurones ne se reproduisaient pas, par exemple, et par mitose successive. Alors, si on réfléchit à la première cellule initiale qu'on trouve à l'origine d'un individu, la toute première, c'est celle qui vient lors de la reproduction, et c'est celle qu'on appelle le zygote. Ce zygote, elle vient donc de la fusion entre un spermatozoïde et un ovule. Spermatozoïdes et un ovule. On sait que toutes les cellules humaines, elles possèdent 46 chromosomes. Donc ça veut dire que si ce zygote, qui a 46 chromosomes, vient de la fusion entre un spermatozoïde et un ovule, ce spermatozoïde et cet ovule ne pouvaient pas en avoir eux-mêmes 46. Or, on a vu que toutes les cellules d'un corps humain, par exemple, possédaient 46 chromosomes. Donc ça veut dire qu'il y a un problème et il y a une différence. Donc, ça veut dire que on va maintenant faire une différence entre les cellules qui sont les cellules reproductrices, qui sont donc les cellules qui vont servir à la reproduction, spermatozoïdes et ovules, et les cellules du corps. Alors, pour faire simple, si on a besoin de 46 chromosomes et que ce zygote vient de la fusion entre un spermatozoïde et un ovule, eh bien, en toute logique, ce spermatozoïde plus cet ovule doivent être égaux à 46, donc ça veut dire que le spermatozoïde va avoir 23 chromosomes et l'ovule en aura 23 aussi. Eh bien, on appelle ces cellules qui ont moins d'ADN que le reste des cellules qui sont haploïdes. Donc ça veut dire qu'elles ont deux fois moins, moitié moins de matière que les cellules du corps. On appelle donc, si celle-ci est appelée haploïde, on appelle celle-ci une cellule qui est diploïde, dit de deux, elle a deux fois plus d'ADN que une cellule haploïde. On les note 2N et N. 2N et N. N étant le nombre de paires de chromosomes qu'on a. Donc on va mettre ici de l'espèce. Donc espèce et espèce. Donc chez nous, ce sera 23. Mais bien sûr, si on est chez la drosophile, ce sera moins. Chez le singe, etc. Donc ça dépend vraiment de l'espèce. Donc si vous vous rappelez, je vous ai toujours dit qu'on avait 46 chromosomes. Ces chromosomes étaient classés par paire. Pourquoi? Parce que dans une paire de chromosomes, on en avait reçu un du père et un de la mère. Eh bien, c'est ce qu'on va comprendre ici. Le père, le spermatozoïde, a 23 chromosomes. Ces 23 chromosomes chez l'homme sont classés du numéro 1 au numéro 23, le 23e étant le chromosome sexuel XY. Chez la mère, même chose. Donc les 23 chromosomes de la mère, de l'ovule, sont classés du numéro 1 au 23. Et donc au moment où ils fusionnent, eh bien chaque chromosome va s'apparier avec son chromosome, ce qu'on appelle son chromosome homologue, pour former un petit zygote qui va se mettre à remplir. Et c'est pour ça qu'on dit que les cellules haploïdes sont N, elles ont une paire de ces chromosomes, tandis que les cellules diploïdes sont 2N, elles ont deux paires de chromosomes. Donc chez l'homme par exemple, le N représente 23. Il y a 23 chromosomes dans une cellule N, les spermatozoïdes et les ovules, et il y en a 23 fois 2, donc 46, 23 fois 2 dans une cellule du corps, donc une cellule somatique. Chaque chromosome, rappelez-vous, porte les mêmes gènes, chaque paire de chromosomes. Donc ça veut dire que si on regarde et qu'on reprend un caryotype qui était par exemple ici, non, on ne va pas prendre cela, on va prendre ceux de l'homme, c'est plus facile. Voilà, ici, si on a là, eh bien, ça veut dire que sur un individu comme ça, qui est XX, donc c'est une fille, alors que ici c'est XY par exemple, eh bien, le chromosome 10, il y en a un qui vient du spermatozoïde et un qui vient
de l'ovule. Le spermatozoïde était N, il n'en avait qu'un, lui. L'ovule était N, il n'en avait qu'un des deux. Et la personne, la cellule, le zygote ou la cellule qui est issue de cette fusion ou de la division du zygote va être L, 2N, car pour le chromosome 10, elle en a 10. Alors, les spermatozoïdes et les ovules en ont donc chacun 23, on les dit bien haploïdes, et le nombre chromosomique est généralement spécifique à une espèce, on l'a déjà dit. Donc, exemple ici. Pour les cellules somatiques suivantes, trouvez le nombre N et dites combien de chromosomes il y aura dans les gamètes qui sont formés par les cellules. Donc, rappel, N est égal à un nombre de paires. Donc, autrement dit, soit on a une cellule qui a des paires de chromosomes, soit on a une cellule qui n'a pas des paires de chromosomes, qui est déjà, du coup, un gamète. Mais ici, on dit pour les cellules somatiques. Donc, si ce sont des cellules somatiques, ça veut forcément dire qu'elles sont toutes 2N. Donc, les chromosomes vont par deux. Alors, en général, si vous regardez dans les caryotypes, ces chromosomes, ils ont plus ou moins la même force, c'est-à-dire qu'ils sont la même forme, pardon. Ils sont plus ou moins longs de la même façon, etc. Alors, sur un papier comme ça, vous vous dites, ouais, c'est facile, mais ils se ressemblent quand même vachement. En vrai, il y a des marqueurs génétiques qui font qu'on peut les reconnaître et savoir qui est le chromosome 1, le chromosome 2, le chromosome 3, etc. Donc ici, si vous regardez, on leur a donné des formes différentes. Donc celui-là, il va avec celui-là, celui-là va avec celui-là, et celui-là va avec celui-là. Donc on a donc 3 paires de chromosomes qui est égal à 6 chromosomes. Ça veut donc dire que je sais que j'ai 6 chromosomes, 6 c'est égal à 2 fois n, donc n est égal à 3, j'ai 3 paires de chromosomes. Et donc le spermatozoïde et l'ovule auront chacun 3 chromosomes. Dans ces cellules-ci, alors on a fait autrement, on les a classés autrement plutôt que de les laisser dans une cellule, mais c'est toujours le même principe. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils sont censés aller par 2. Celui-ci va avec celui-là, celui-là va avec celui-là, et celui-là avec celui-là, donc c'est la même chose. N est égal à 3, et les spermatozoïdes et ovules auront chacun 3 chromosomes. Alors c'est, si on a une cellule somatique qui a 96 chromosomes, eh bien on sait que 96, si c'est une cellule somatique, est égal à 2 fois N, donc N va être égal à 96 divisé par 2, donc ça va faire 46 chromosomes. Non, 96, 48 chromosomes. N est égal à 48 chromosomes, donc le spermatozoïde, l'ovule auront chacun 48 chromosomes. Donc ça, voilà, c'est pour bien comprendre le principe du diploïde et de l'haploïde. Alors avant de pouvoir se lancer dans la méiose, on va se faire une petite synthèse sur la mitose. Donc la mitose, c'est bien le mode de division qui permet de créer deux cellules identiques à partir d'une cellule. Donc... Donc, c'est un mode de division cellulaire. Donc, mode qui permet d'obtenir deux cellules complètement identiques à partir d'une cellule. Alors, son rôle... Elle a un rôle principal dans la croissance et la régénération cellulaire. Donc
Donc ça, c'est son rôle vraiment général. Vous grandissez parce que vos cellules se divisent par mitose depuis que vous êtes un petit zygote. Et quand vous faites une coupure ou quand vous vous blessez quelque part, eh bien, vous refabriquez de la nouvelle peau, du nouvel os, si vous faites une fracture par exemple, via cette mitose. Donc les cellules vont se multiplier, former des nouvelles cellules qui ressoudent l'os ou qui recollent votre peau que vous avez coupée. Elle permet, c'est aussi cette mitose qui permet la régénération de certains organes. Et elle a un rôle aussi dans la reproduction végétative. Reproduction qui est donc de la reproduction asexuée. Je vous rappelle que asexuée, ça voulait dire qu'il ne fait pas intervenir asexuée, qui ne fait pas intervenir de gamètes. Et donc ça n'a rien à voir avec asexué ou relation sexuelle, d'accord? Les poissons qui se reproduisent ont une reproduction sexuée, même s'il n'y a pas d'accouplement et que les poissons lâchent leurs petits ovules et leurs petits spermatozoïdes en pleine eau et que la fécondation est externe à l'organisme. Il n'y a pas d'accouplement, il n'y a pas de relation sexuelle, mais pourtant c'est une reproduction sexuée parce qu'elle fait intervenir des spermatozoïdes et des ovules. Et donc, c'est une reproduction qui est sexuée. Donc, dans la reproduction asexuée, c'était par exemple dans la reproduction végétative de certaines plantes. Si vous avez des fraises, par exemple, eh bien, les fraises, le plan principal, si ça c'est mon plan principal, va faire des tiges aériennes qu'on appelle des stolons, sur lesquels va pousser un tout petit plant qui, lui, va se planter, faire des racines et faire un nouveau fraisier. Et une fois qu'il a ses racines, il coupe la connexion, l'espèce de cordon ombilical qu'il avait avec la plante mère. Et c'est ce qui permet cette reproduction végétative de faire du bouturage. Quand vous prenez une partie d'une fleur, d'une plante et que vous la mettez dans l'eau, elle va refaire des racines et vous pouvez replanter cette plante. Et ça vous donne eh bien, des nouvelles plantes qui sont identiques. C'est des clones donc de la plante mère. Il y a aussi une reproduction par bourgeonnement, par exemple, chez certains animaux comme les hydres, et par parthénogenèse chez les insectes, qui est que, en gros, et bien, chez les insectes, on a des ovules non fécondés qui peuvent se développer et donc on a des individus qui sont issus d'une cellule juste par mitose étant donné que l'ovule après va se rediviser par mitose pour pouvoir former un nouvel individu ou des cellules d'un animal qui vont pouvoir se multiplier, former un bourgeon qui va finir par se détacher. Donc ça c'est les rôles de la mitose. Alors les étapes de la mitose, on en a 4. Il y a la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Alors c'est très important de maîtriser ces 4 étapes parce que ça va être les mêmes étapes dans la méiose, mais avec tout plein de différences qui font que ce n'est pas les deux mêmes divisions. Donc il faut vraiment les maîtriser ici où c'est relativement simple. Donc lors de la prophase, on a condensation de l'ADN. Disparition de la membrane nucléaire. Et duplication du centrosome. Lors de la métaphase, on a alignement des chromosomes qui forme la plaque équatoriale. Et on a les centrosomes qui vont chacun d'un côté de la cellule. Et on a les microtubules qui vont se fixer sur le centromère, entre le centromère et le centrosome. L'anaphase, c'est la séparation
des chromatides sortent. Qui migrent donc chacune vers un pôle de la cellule. Et la télophase, c'est la division cellulaire. Division cellulaire, reformation de la membrane nucléaire. Et décondensation de l'ADN. Voilà. Donc ça, c'est pour la synthèse sur la mitose.